Je déteste ce perso de merde. Ah, je voyais des tabis des mouches. Ah, c'est pas le... C'était Halo of Life d'ailleurs, c'était pas. Ouais. Non. Quand tu te débrouilles pour être tout le temps à moins de luck à chaque fois. Bah, j'ai pas le choix, c'est le personnage qui veut ça en fait. J'ai pas le choix. C'est les keepers, ils commencent à être moins de luck, c'est comme ça. On a pas le choix. C'est le personnage qui te dit non, pas de bol. Moins de luck. Voilà. Ah, yes. Il y a intérêt de bien le préparer. Hein. Oh, le dime. Oh là là, le cauchemar. Il y a intérêt de bien le préparer à l'avance. Hein. Nom de Dieu. Par contre, oui, voilà, bon, le triple TKX, voilà, faut bien admettre que. Au secours. Hein. Si ce limite et tu win. Oh, pas fort. Hein? Quoi? Qu'est-ce que. Quoi? Y'a un maze? J'aime le faire troll par un maze là, je crois là. Bah non, je vais pas le prendre parce que j'ai pas vraiment envie d'avoir du shot speed en plus en fait sur mon bordel là. C'est pas trop le but de la manœuvre en fait. C'est pas trop l'esprit. Non. D'accord. Et pourquoi j'ai jamais utilisé ma pièce encore? D'accord, faut quand même lui mettre un quart de rotation. Hein. Ok. Très bien, le jeu a décidé visiblement. Perdre deux pièces, ça m'en donne qu'une. Quoi, cette baise? Génial. Oh, secret, super secret, Nick. Non, on n'en veut pas du shot speed. Sympa le comité d'accueil. Merci, au moins pendant ce temps-là, j'ai mon item de chargé à bloc. Drosse. Je me souviens, tu as débloqué quoi comme perso alternatif? Oh, j'en ai débloqué quelques-uns déjà. Bah, le dernier en date, c'est Keeper, d'ailleurs. J'en ai débloqué 6, je crois, des alternates pour l'instant. Putain. Hop. Ah non, c'est bon, j'aurais pu la laisser là, en fait. Putain. J'ai vu un mec au milieu de la room, j'ai pas réfléchi, je me suis dit, ah, il veut pas du bien, lui, du coup, j'ai lancé mon item. Trop bien. C'est bon, la pièce, elle est save. Putain d'enculé de... Au secours. Au secours. Eden V2, un bordel. Ah, je sais pas, j'ai... Ah, le shop ou l'objet? Ouais, l'objet. Du T-Rate. De la range. Qu'est-ce que tu crois que j'en ai à foutre de la range avec ça?
de la range sur TX. Yes. J'aurais pu possiblement avoir du T-Rate, mais non, le jeu qui te donne ça, voilà. Bref. Ah, le retour. Ah d'accord, il passe littéralement par-dessus. À un moment donné, ça suffit, oui. Oh mon dieu. Mon dieu. J'ai deux bombes, il faut absolument que j'en garde deux pour les mines. J'ai pas de clé supplémentaire, c'est chiant. Deux pièces dans l'étage. Ouais. On va se prendre des tartes dans la gueule à la cœur, c'est qu'un pet boss, ça me redonnera un bon effet. D'accord, merci. Putain, je suis passé sur du shot speed, quoi. Non, c'est de la vitesse de déplacement. Ça va, c'est pas la cata. C'est de la vitesse de déplacement, donc ça va, en vrai. Ça change le buff. Tu crois qu'il y a une touche pour le reroll, le truc? Tu crois genre j'appuie sur un bouton et ça reroll l'effet? Après, oui, je pourrais me prendre des tartes dans la gueule. Genre là, mais après, faut pas que ça me retombe dessus. Ma speed et j'obtiens quoi en pour? Ouais, de la range. Bah finalement j'aurais peut-être dû garder ma speed. Ah oui, ça, mon trinket me permet d'avoir accès au shop. Ouais, tant pis. C'est vrai que c'est tout le fondement même du trinket. Tant pis. Même le son là. Waouh. Ah oui, alors là par contre ce sera peut-être intéressant de pas le rater, le passage au shop là. Ouais. Un caillou de pique. Ouais mais j'avais plus de pognon sur la map, j'aurais peut-être dû faire ça avant mais après... Oh putain. Après passer... Oh. Alors attends. Je vais me donner ça dans un premier temps. Je vais pas toucher au caca, je vais laisser tout ça tranquille. On va continuer à disperser du pognon un peu partout. Les flammes blanches sont là. On va aller instant au boss. Ok. Des dégâts. Ok. Les caca qui sont là, on va pas y toucher. On va laisser tout ça ici, ça j'y touche pas. On va finir d'explorer le floor. Tranquille. Ouais. Ça se tente. Boum, comme ça je récupère la bombe. Plus le coffre. Ouh, yabadabadou. Ok. Oh, caviar. J'ai laissé beaucoup d'argent, il y en a un peu partout. Le problème, c'est l'emplacement des pièces là qui me... Tant pis. J'aime pas ce que je suis en train de faire là, mais tant pis. Good. Alors. Ok, donc il me faut encore mes bombes là. Item. Alors le Black Hole, c'est rigolo, mais est-ce que j'en... Non, il me faut ma pièce là. Pas possible. Alors. On va faire un tour au shop tout de suite. Avec tout le pognon qui traîne partout. On a une sacrifice. On va exploiter bien sûr. Oh la Black Candle, oui. Oui. Oh c'est oui. C'est oui bordel. La Black Candle c'est oui. Oh. Alors. On a laissé du pognon un petit peu partout, sachant que j'ai peut-être en généré sur les pics. Ok, donc ça m'en mettra 2 HP.
Ça, ça me remettra mes 2 HP aussi. Re 2 HP. 1 HP. 1 HP. Ok. Alors, déjà, première chose. Donne-moi ça. Ensuite. Des HP en plus, donc. Ici, j'avais rien laissé. Par contre, salle de boss, il y avait des caca dans la pièce. Tiens. Du pognon partout, donc large de quoi exploiter la sacrifice convenablement. Ok. Histoire que ça remet 2 HP. Oui. Oui, garantie. Déjà testé, déjà vu, déjà constaté. Et là, rien. D'accord. Et là, en plus, ça tombe bien, je pourrais me remettre plusieurs HP d'un coup. Très bien. Alors. Tu déchets de corde ? Ok. Alors. Une. Deux. D'ailleurs, la preuve par l'image. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Donc ça, c'est très bien qu'il y ait des pièces. Quatre. Donc quatre. 5, appréciable ça. 6, offre encore. 7, oh! C'est oui! 7, ensuite, on va pas s'arrêter là, on va pas s'arrêter en si bon chemin. 7, là normalement c'est des troll bombes, puis l'ange. Ok. Ah, c'est le bleu, je n'aime pas le bleu. Putain, c'est mon shot. Ah! Ok. Un morceau de clé. Très bien, ensuite là c'est soit ça me fait spawn les cœurs bleus, soit ça me fait spawn les pièces. Et ensuite il y aura le deuxième ange pour que je puisse avoir la clé complète. Ah, c'était les cœurs bleus. Tant mieux, tant mieux. Deuxième ange. Putain, mon shot speed au secours quoi. Merde, prends pas des thunes. Ouh. Et donc la clé complète. Et ensuite stop, parce que je crois que c'est juste après qu'on a la TP. Ok, bon bah ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Alors. Black Candle, ça a été pris. Là j'ai du pognon à ramasser, là aussi il y en a partout, de toute façon il y a de l'argent partout. Là on a 10 balles. Combien? 10 balles. 10 balles, voilà, on a 10 balles. Éventuellement un petit sac pour les ressources, on pourrait piffer la carte, je pourrais mettre une bombe sur Jaco là pour voir ce qu'il a dedans, il a les yeux du pognon. Merci Kate Marine pour les 30 bits. Salut Guy le chat, je viens d'arriver, j'ai loupé quoi. Deux runs compliqués sur Keeper et une qui pour l'instant part plutôt pas trop mal. Oui. Et bon. Boum. Connard. Ok. Bon. J'ai plus vraiment de raison de laisser traîner le pognon. Là où ça passe. Là ça passe. Ça passe pas. Donc elle peut pas être là. Donc ça se secrète probablement ici. Je garde 2 bombes. Yes. Et des flammes bleues, et une pilule, super. Ok. Ok. Donc pour l'instant, plus une raison vraiment valable de laisser traîner l'argent ici. Chiant, j'aurais bien voulu avoir l'item qui me permettait de porter 2 trinkets. Je me dis que si jamais il y a d'autres sacrifices et que je fais pas tomber autant de pognon,
aurais été content de pouvoir les farmer de la même manière. Bon, après on peut capitaliser sur les runs suivants, enfin sur les étages suivants, donc c'est pas trop grave. Bon, la thune est cassos. Non, pas encore, j'ai pas fini. Là il faut que je fasse la phase, en The Lost ici. Hein. Flamme blanche, miroir, morceau de couteau et tout et tout. Hein. Là j'ai pas fini avec cet étage encore là. C'est pas fini. Si je pars maintenant, la run n'a plus de sens quoi. Voilà. On a pris l'argent. 35 balles, c'est beau. Maintenant, flamme blanche. Qui était où d'ailleurs? Non, je suis passé devant à tous les coups là. C'est quoi qui a été boosté là? Ma vitesse de déplacement. Je suis passé devant. On est d'accord. Oui. Donc décès. Non mais. Avec ton beat va plutôt faire méga Satan, Mother, mais quel intérêt? Quel intérêt? J'ai pas. J'ai déjà fait méga Satan avec lui. Allez hop. Ok. Merde. Je sais pas si le Petrified Poop reste là dans le reverse. On dirait que non. Dommage. Dommage. Non. Non. Merci, mais non merci. Tac. On va farmer. Hein. Peut-être avoir des mouches dans le caca, ne sait-on jamais. Merci, acheter la Sersandero, encore. Un blaze aussi original que celui-là, on l'oublie pas. Ah ouais. Ok. J'aurais dû garder le poupe, c'est con. J'ai pas pensé que les caca pouvaient se remettre en place. Attention les pics. C'est pas la même là. Latchkey, bah ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Seulement Latchkey avec la luck en plus, c'était à la run d'avant que j'aurais apprécié le trouver. Ah putain. Bon, ok. Non, miroir. On a pris le morceau de couteau, oui. Ok. Alors. Petite carte. Oui, The Fool, bien sûr, c'est oui. Vu que je vais en claquer deux pour ouvrir les mines, ce serait bien si je pouvais en avoir une en rab. Ça va être savoureux la phase dans les mines, justement, contre Mom Shadow, ça va être... Je sens que je vais adorer. Il est quoi, là? Ah oui, le flush, ouais. Pff. Ça va être savoureux, hein. Même le son est en miroir. Ouais, tout est inversé, ouais. C'est vraiment le reverse complet, ouais. Bon, je peux piffer une super secret ici. En bref. Eh ben, moult mouche. De la mouche. J'ai vu la trappe, hein, j'ai failli aller dedans quand même. Hein. Allez, let's go. H-Pit. Génial. Les mines, c'est tellement surfait. Oh. Putain. Pourquoi j'ai fait ça? Hein? Mais je vole plus, je suis plus de l'os, cette espèce de con. Je me croyais encore The Lost, moi, voler, tu sais, tranquille, vas-y, let's go.
Ah ouais, pas cool ça. D'accord, bon, on verra après. Ah, des mouches, d'accord. Merde, prends pas le pognon. Une arcade room, d'accord. Bon, moi j'ai pas le choix, faut que je passe à droite. Et donc, voilà. C'est quoi ça déjà? Blub blub. Je sais plus ce que ça fait ça. D'abord le shop. La salle de challenge est ouverte cependant. Il y a un coffre piégé, super. Plus de bombes pour le moment. Eh ben. Et maintenant la Red Candle, oui mais non. Je vois l'utilité de la bombe. Ah, vous êtes adorable vous. Voir mon item room. Alors la prayer card, oui mais non, ça servira à rien. Zodiac, heaven will change you. Ah, c'est pas le truc qui me change, qui me donne un signe astrologique à la Zob, à je ne sais plus quelle fréquence là. Là il me file à Aquarius là. C'est pas à chaque étage je crois que ça change. Aquarius pour le creep au sol, ouais, bon, admettons. Qu'est-ce que c'est celui-là? On l'a pas encore croisé lui. Qu'est-ce que... What the f... D'accord. Oh là là. Oh, lui, il est... Ça, c'est pas un pote, lui. Hein. Ok, d'accord. Sympa. Deuxième objet de môme. Très bien. Allô? C'est honteux. C'est honteux. Comment? Oh, c'est beau! Oh, c'est honteux! C'est tellement honteux! Au secours! Mon dieu! Aïe! Vas-y, j'ai envie de tester. Oh, mais d'accord. Oula. Oh, bah bravo, essaie de pas crever quand même, ce serait quand même con! Ah, c'est que c'était mes dégâts qui étaient boostés là! Ah, mais d'accord! Bon, en soi, ça reste quand même très fort. Ah! Du tir rate! Oh oui! Oui! D'accord. Bon. Triple T-Kick Secret Art. C'est mérité. Ah, il faut les deux? Enfoiré! C'est du tier right. Attends. Prends pas tout le pognon. Tu meurs sur des pics, la honte. Ah bah oui, bah là oui, totalement oui. Le triple T-Kick Secret Art, là je dois bien avouer que lui... Ok. Pas exactement ceux sur qui j'espérais tomber, mais... Mais... Ok, encore un qui va être dur en affaire. On n'a pas les mêmes runs. Pour une fois, hein. Pour une fois que ça tombe sur moi, ça j'ai envie de vous dire. Je vous avoue, j'en profite là.
Je savoure, hein. Là je savoure. Ah mais du coup les dégâts que le mendiant de mes deux là est en train de me faire, du coup ça compte comme des dégâts qui reroll le... qui reroll ma fleur de PQ. Le needle shot. Comment ça va proc ça? Ça proc pas avec... Y'a pas de synergie avec... avec tes kicks. Maintenant repentant ça j'ai envie de dire. Oh la vache, ça y est, je suis revenu mon bordel là. Ouais. Ouais. Ça se trouve c'est peut-être pas. Ça se distingue pas comme ça directement, mais faudra peut-être voir quand ça touchera un mob. Ouais, c'est pas évident à dissocier non. Bon, on verra. On verra bien, on verra bien. En attendant, bon c'est toujours pris, hein, écoute. C'est gratuit. J'ai chariot, je pourrais, et il me reste une pièce, je pourrais aller faire la curse. Ouais. Hmm. Pourquoi je fais le tour alors je peux passer à travers? Donc chariot. Excusez-moi, je vais dormir, bonne nuit à tous. Ça marche, Andrea. Bah écoute, une bonne soirée, une bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Et à une prochaine. Oh, c'est honteux. Mais putain, mais c'est honteux. Ah oh, oui, bah d'accord. Mais... Bah voilà, moi qui voulais de la speed. Hein. Remarque, je suis con. Je... Très con, là, pour le coup. Très, très con. Très con, dans le sens où, vu que j'avais récupéré une pièce, je pouvais me contenter simplement d'aller... Ouais, bon, hein. D'aller récupérer la pièce. Bon, c'est dommage. Bon, tant pis. The Fool. Bon. Est-ce que je piffe un scatol? On est quoi là? On est HPIT 1? Ouais, merde. Non, mais bordel. Pour une fois, la précipitation de ma VMAX m'a envoyé directement là où je devais passer depuis le début. Yes. Merci Ryu1369 pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Les champis bizarres. Oui, c'est les champis secs. Ah, nous retournons dans les mines. Ok, donc là, on n'oublie pas les interrupteurs. Bonjour. Ah. Alors forcément, on a des mouches qui sont... Ah, bah du coup, j'ai Gemini. Tant qu'on est là. Oh, ce passage il va être infernal. Les boules noires c'était le needle shot? Il y aurait donc enfin une synergie. Oh. Oula. Ah. C'est violent quand même. Hein. Merde. Ok. Ok, ok, ok. Ouh. Et on commence à dispenser du pognon un peu partout. Disperser, dispenser, dispenser du pognon. Oh mais non mais... Ah et merde. Ah, merci. Probablement ce qui pouvait arriver de mieux. Oula, oula. Oh, le plaisir, d'accord. C'est bien. J'ai pas vu le Lucky Coin. Oh, c'est d'une puissance, quoi. Mon Dieu. C'est assez énervé quand même. Assez beaucoup. Débile.
Allez, on sort de là. Merci. Oh ouais, d'accord. Donc ça expulse des grosses bouboules, quoi. D'accord. Pourquoi ma co va et bien? Ah, pour une fois, ça vient pas de moi. Hein. Moi, de mon côté, tout est stable. Et merde. Et j'y suis rentré, évidemment, sans charger le brim. Le TechX. Je crois qu'on va pouvoir exploit comme il faut, là, la sacrifice, hein, je pense. Hein. Devrait aller. Hein. Ok. Ça, c'est fait. Mine 2, oui, donc on peut aller voir le boss, c'est pas interdit. Toi, tu vas juste prendre ce que tu mérites en fait. Et merde. Mais ma Godroom ? Super. Alors. Oh. Oh. Ok. Oh, bah d'accord, The Sun, ouais. The Sun pour la sacrifice. Hein. Ou alors, à la limite, non, je pars avec The Sun. Hein. Je pars avec The Sun, vu que là, je vais devoir déposer 2 HP, je pars avec The Sun. Et je me remets mes HP en dessous. Salut Cocteau, ça roule. Hein. Déjà, ça, tu me donnes ça. Alors. Non, il n'y avait pas de shop. Donc, offert la sacrifice. J'ai pas été à l'item room. Hein. Et en même temps, je voulais voir le shop d'abord. Rubber Cement. Par contre, vous foutez pas de ma gueule avec la room, là, comme elle est organisée, là. Vraiment? Rubber Cement avec TKX, hein. Ça fait un TKX rebondissant. Mais je crois que TKX, là, ce qui m'aurait fallu, à la limite, c'est un... C'est le... L'objet qui me permettait de faire passer les larmes d'un côté à l'autre de la room. Overridden by TKX. Ah, d'accord. D'accord. Finalement, un petit TKX spectral, triple TKX spectral. Finalement. Alors. 1. 2. J'essaie encore de comprendre ce jeu. Ah ! Eh ben ça veut dire que tu es au bon endroit. Si toi-même tu es là depuis une heure et demie et que tu ne comprends pas, c'est normal. C'est que tu es au bon endroit. 3. 4. 4. Alors attends, à moins qu'il y ait un accident, que je dérape sur des pics. Hein. Il y a toutes les chances d'arriver. On va aller se mettre à l'abri avec ça. Ouh ! C'est tout? D'accord. Bon, 4. 5. 6. Oh, c'est quoi ça? L'objet avec une dague, là, le cœur. Le cœur avec une dague dedans, je connais pas ça. Ça, je connais parce que c'est l'histoire des cœurs bleus, mais les cœurs bleus, j'en aurai jamais, donc ça me sert à rien. Mais ça, par contre, je connais pas. Nouvel objet. Halo of Tears. Et on a la Transfo Séraphin. Excellent. Quoi? D'accord. Tu voles. Ouais, ça y est, je vole, ouais. Et merci Disbrad62 pour le deuxième mois de Prime. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Merci énormément Disbrad, merci, bonne soirée également. La bise. C'est Immaculate Heart. D'accord. Et là, oui, on vole parce que du coup, on a la Transfo Séraphin.
J'ai mis 6 touches là, hein, donc 7. Oh, le bouquin de Bethany! Mais c'est OP! Hop! Un bouquin de Bethany à une charge! Après, c'est longe, donc il n'y a aucun intérêt. Ah, par contre, je pourrais avoir plein de pièces où... Ah, ouais. Non, après, c'est les trolls bombes. Du coup, j'ai... Ah, mais non, c'est pas OP du tout. Ah! Merde. Parce que du coup, les flammes ne me génèrent plus de pièces. Ah! Ça, c'est compliqué. Ah, bah merci. Ok. Mais non, mais merde. Ah ouais, alors du coup, comment ça se passe là? Parce que maintenant, ça me génère plus de pièces. Ça me génère des pièces, mais sous forme de flammes. Donc il faut que les flammes... Ah si! Ah si, c'est bon! Ça fait et des flammes et des pièces! Ah mais c'est bon! Ah mais ça va! Ça, tranquille! Tranquille, c'est bon! Pépouze, pépouze! C'est bon! Tiens, dégage-toi! Voilà, ensuite! Ihou! Allez, moult argent! On set up le money equal power, hein. Hop, cassons-nous. Ok. Bon bah voilà, c'est pas mal. Merci Hog78 pour le follow, bienvenue. Ok, ok, bon. J'avais peur que le fait d'avoir pris le bouquin de Bethany, ça m'ait annulé le fait que les pièces droppaient. Mais non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, il n'y avait pas de shop. Hein. Oui, voilà, c'était à cause de Jean Connard, là. Du coup, vu que je vole, et pas un coffre qui était bloqué, là, si. Non. Le boss c'est fait, faut aller aux mines. Ah mais le problème c'est que là le vol étant lié à une transfo, je vais pas le garder le vol là. Je vais pas le garder dans l'étage des mines. Hein. Je sais même pas si je garde mon activable. Auquel cas je suis con parce que je l'ai claqué dans le vent. Eh ben, voyons voir. Non, j'ai pas mon activable. Bon, ça va être un sacré problème parce qu'on se rappelle que Kipa est quand même sacrément lent et que c'est pas rare que je me prenne des tartes dans la gueule rendu à cet étage-là. Par contre, très étonnamment, j'ai gardé mes flammes et mes mouches. D'accord. Oh là là, le pattern, il est haut. Ah bah oui. Couloirs horizontaux comme ça, là je les aime pas ceux-là. Bon ça déjà, de toute façon tu vas devoir faire le tour par la droite. Ok, bon, bouge tranquille. On va faire une chose qui allait bien. Maintenant que tu as des ailes, tu survoles les trous. Non, pas ici. En fait quand je reviens ici, je récupère mon perso saveur vanille. Je dis de cœur. Ah bah de toute façon j'ai pas le droit à plus de deux touches. Hein. Si jamais je me fais toucher plus de deux fois, c'est loose. La troisième, ce sera le décès. Donc effectivement, j'ai pas trop le choix. Merci. Mamenbc, pardon. J'espère que j'ai pas écorché ton blaze. Pas trop, tout du moins. Et merci pour le follow et bienvenue. Bon, on va faire taper la course d'une vie, mais avec un perso qui est lent de base. Vivement qu'on joue avec Azazel. Hein. Oh là là, le cauchemar.
Oh, le cauchemar. Pas rendu au bout encore. Pas ce bordel. Ah, d'accord. Mais non, pas ça. Je dois faire. Voilà, d'accord. Non. Ah si, c'est bon. Oh, je me suis foutu dans la merde là. Non, c'est bon. Vas-y, viens là. Putain, pas une touche quoi. Le no-hit parfait quoi. Icha. Oh. Oh yo yo. Putain. Ah, ce passage, je le déteste, mais alors là, avec Keeper, j'avais pas le droit à l'erreur. Bon. Money, money, money. Il y a une sauvegarde dans ce jeu, au moins. Ouais, mais pas en cours de run. C'est-à-dire que là, si j'avais perdu, bah, j'avais perdu. C'est ça, le problème. Là, si c'était loose, bah, c'était... Voilà, c'est fini, tu recommences. Ah, c'est un jeu qui est punitif, hein. C'est un jeu qui sait se montrer souple. Mais très intransigeant dans certaines mécaniques et qui pardonne pas les boulettes. Hein. C'est chaud. Hein. Y'a un trinket là? Ah oui. Ok. C'est pas ici que j'avais laissé jeter de cartes? Ah non, c'était le... Oui, c'était le booster card. Alors. Parce que j'ai mon dos de diamant, mais oui. Hanged Man, bah plus aucune utilité maintenant que je vole. High Priestess, ça fait le gros dégât. The Fool, la carte de TP, toujours la safe, hein, bien sûr. The Sun qui pourrait me remettre mes HP. Joker. Joker, j'ai eu la TP Godroom ici, donc aucun intérêt, quoi. Ma blonde a fait des courses aujourd'hui, on se retrouve avec un pack de cannes de coke russe, avec tout écrit en cyrillique dessus. Des cannes, what the fuck. D'accord. Là, on va descendre au Mausoleil. Donc je peux claquer, bon, pff, allez, à la limite c'est quoi, de toute façon je l'emmènerai pas dans la tombe. J'ai essayé de l'argent là. Est-ce qu'on s'en fout, allez, deux diamants, hop. Je pense que je vais partir The Sun. The Sun pour récupérer les HP que je vais devoir déposer dans le... Mais non, je suis trop con. Mais non, idiot. Voilà. Hop, voilà, dépose ça là-dedans. Andouille. On va chercher de l'argent. Voilà, c'est bon, t'es full HP. Et du coup, The Sun. Ah, The Sun. The Fool. Joker. Joker. Allez go. Salut Arto. On voit pas le... En plein déménagement, on voit pas le boom. Courage. Pas le choix, sinon la run se passe bien. Ouais, pour l'instant ça va, c'est le troisième restart là, mais ça va, il a l'air de bien se passer celui-là. Il a l'air de plutôt pas trop mal se passer. Oh là là, Taras. Ouf. Courage pour le déménagement, c'est vrai que c'est pas des épreuves très faciles. Hein. C'est pas vraiment des phases qu'on adore. Hein. Pas du tout même. Hein. Lol. Ah, d'accord, évidemment. Même dans ce genre de circonstances, le genre il va à essayer de te baiser, quoi. Oh, je l'ai ramassé, bravo. C'est d'une violence, quoi. Non, pas la pilule du pif. Allez, du tir rate, des mouches. Ouais, vas-y, vas-y, let's go. Des mouches à 45 de dégâts, enfin 47 de dégâts, vas-y, j'achète, hein. Ah non. D'accord. Ça se détend, non?
Oh là là, mais c'est tellement violent quoi. Oh. Mamma mia quoi. Et puis vu qu'il est spectral, hop, ça dégage. J'ai pris le pognon, je sais pas. C'est quand même très violent. Hein. Après, c'est... Après, quand t'es 7, t'as pas beaucoup de trucs, les déménagements, c'est facile. Ah, je t'avoue que nous, les déménagements, maintenant, au début, on déménageait seul. Enfin, moi, j'ai déménagé mes affaires tout seul. Après, notre appart suivant, on a déménagé les affaires de les miennes et celles de ma femme. Puis, quand on a quitté l'appartement pour ensuite aller en maison... Eh ben, il a fallu déménager les affaires de ma femme, les miennes et celles de mon fils. Maintenant, si on déménage, on déménage celles des deux mômes. Oh le bordel. Ça a tellement snowball là. Ok. Mais non, prends pas l'argent, bordel. Et d'accord. Ah, sublime la pièce. Oh là 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 là, putain, mais c'est incroyable la synergie qu'il y a maintenant avec, avec le Needle Shot. Hein. Je me souviens plus qu'elle fait la prise électrique là. C'est pas un objet de charge pour mon item ça, je m'en rappelle plus. J'ai un doute. Il y a encore du pognon partout. Je sais plus, on verra bien. Là, ce qui me ferait plaisir de trouver, par contre, sur une prochaine God Room, ce serait un petit Holy Mantle. Mais il en a... Ah non. Ah non, c'est The Lost qui start avec l'Holy Mantle. D'accord. Oh merde. La troll bombe illimitée. Damage Isaac in exchange for fully recharging Isaac's current activated item. Ah oui d'accord. Oh non, pas si viable que ça. Non, je vois ce que tu veux dire, The Spam, mais là pour le coup, ce que toi tu évoques, c'est un... Dans mes souvenirs, c'est un trinket et pas un objet activable. J'ai pas été à l'item room encore. Une arcade room, il y a de l'argent partout. J'ai du pognon à gaver. Non. Ça marche avec tes kicks ça maintenant ? Ah mais je crois que c'est du flat. Il me semble que les dégâts que ça rajoute en plus c'est du flat hein, dans mes souvenirs. Putain, j'ai envie de piffer le blind, mais alors si jamais je tombe sur un Soy Milk ou un Almond Mink. Almond... Merde, voilà, du lait d'amande. Je vais avoir les morts. Ouais, à ce stade, je préfère la jouer safe. Ça proc ou pas, ça, du coup? Oh, c'est très joli, hein. Ça fait un... Ah oui, d'accord. Ça marche, mais sur mes normes orbitales. Ça marche pas sur mon TKX, mais sur les orbitales, oui. Oh, d'accord. On peut aller chercher des mouches. Je suis revenu sur une lock. Et attends, avant de faire n'importe quoi, là. Avant de faire n'importe quoi. Tiens, ramasse ça. Ramasse ça. Elle est où? Elle est en bas. Je vais peut-être gratter un peu de luck en plus. Est-ce que vous, c'est rendu premier étage de mausolée que ça me fait tilt. Hein. Quand même beau. Hein. Dommage. Ça a augmenté mes probas de Godroom, mais ça m'a pas augmenté ma luck par contre. Il faut une vraie Arcane Room. En soi, celle-là est pas mal. On peut la travailler, celle-là. Hein. Celle-là est pas vilaine, on peut prendre le temps de la travailler.
que je branle, arrête de ramasser l'argent, putain, mais... Mongolo. Y'a la machine de nom du sang à côté qui peut peut-être me refill un peu. Alors. Grandiose machine. Au secours. Oh. Mais du coup avec le Ivy Bag, si je prends le Ivy Bag et que je prends le plug au shop, c'est pognon illimité. Alors quoique, bah non, parce que derrière ça va recharger mon objet, mais c'est une proba la pièce, c'est pas du garanti. Non, ce sera pas pognon illimité. Pas envie de piffer un scatol, vas-y, je m'en fous. On est où là? Mausolée 1. On va aller voir le boss. Bravo. Le Rainbow Worm, il fait quoi? C'est un... Putain, mais... C'est un effet de verre, de trinket vert aléatoire. Oh, ce qu'il a ramassé, lui. À 60... Alors, attends, il y avait 80% de chance d'une salle secrète, dont 71% de God Room. 80%, c'est 0%, donc. D'accord. Hein, je note. Non, pas le shot speed. Putain de con de... Bon, c'est un gros tears up, mais le shot speed, j'en voulais pas. Bon, après, vu les dégâts, bon. Vu de quoi on partait, je pense qu'on peut s'estimer heureux. On va aller faire la curse. Si on peut essayer d'arnaquer un énième, un ultime objet. Remarque, j'ai mon Joker. Mais Joker, maintenant, quand, dans quelle pool il va m'envoyer Joker, là? Joker, elle est sur la pool majoritaire ou sur une pool au pif? Enfin, une grosse salle, hein. Le shot speed n'influe pas sur tes kicks? N'influe pas ou n'influe plus? Parce que moi, dans mes souvenirs, le shot speed, c'était important sur tes kicks, hein. Pour éviter qu'il aille trop vite et qu'il reste vraiment le plus longtemps possible sur les mobs et leur occasionner plus de dégâts. Alors encore une fois, ça date de mes anciens souvenirs d'Afterburst Plus, donc je sais pas où on en est là clairement sur Repentance, mais... Et c'est du pognon dans la salle de challenge. Au pif! Ah ouais, d'accord. Le pilote est toujours là, là en train de chill sa... Putain. Ok. Parce que là, je serais tenté de piffer mon Joker, mais si jamais ils m'envoient en Devil Deal, je vais pas être content. C'est du 50-50 les probas de Joker, du coup. Je sais pas si ça se tente là. Joker. Porte quoi. N'importe putain de quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et on rappelle que tout ça, c'est sous Secret Art, hein, donc c'est au mini. Hein. C'est du grand n'importe quoi. C'est... Et vu que ça a l'air de heurter les murs, je me demande si tout à l'heure j'aurais pas mieux fait de prendre le rubber cement, histoire que ce soit encore plus drôle. Jeu broken. Non, non, pas vraiment, non. Ah, Géna. On a un build certes très confortable, mais pas broken pour autant, quoi. À tout moment... On oubliait ça.
le beans. Oubliez ça. Ah. Par contre, dis, je t'ai dit une connerie sans faire exprès tout à l'heure. Maintenant, Rubber Semen proc avec TX, les anneaux rebondissent sur les murs et une portée infinie. Mais non, sans déconner. Oh putain, j'espère que je vais retomber dessus. Oh, ça aurait pu être d'une dinguerie. Oh. Ah lol, excellent. Shop d'abord quand même. Pas parce qu'on arrive à la fin que, hein, voilà. Oh, ça aurait pu être très très drôle par contre. Hein. Mais non, mais... Pas grave, regarde. Hop. Glissade corrigée. Oh, le needle shot, ça a explosé le merdier au centre de la pièce. Oh, bah. Oh, oui. J'adorais la pichenette du TKX, tu sais, qui a été chercher le mob en bas de la room. Pas mal, pas mal. Oh putain. Oh, regarde l'alarme. Ah mais attends, mais ça doit être complètement con ça. Ouais, ma lame qui touche là. Du coup, elles sont SD double. Oh, regarde le needle shot. Le needle shot autour de moi, mais what the fuck. D'accord. Ok, oh. C'est un peu triste ça par contre quand même, c'est pas top. T'es pas terrible, t'es pas terrible. Hein. Boum. Oh. T'es pas terrible. Bonjour. Ah. Bon. C'est bon, le perso est complètement fumé. Ah bah là j'avoue que... Là, on est tombé sur un truc. Déjà que je m'estimais que ma run The Beast avec Keeper était vraiment assez dingue. Enfin, non, elle était pas extrêmement ouf non plus, mais elle était d'un confort quand même assez prononcé. Et là, on se tape ça. Bah là, je dois bien avouer que... Bah merde. Hein. Oh, le bébé glaçon. Le bébé glaçon, nul chien avec qui j'ai pas envie de jouer. Mais là, tout le moment, ça humilie. It hurts, no it doesn't. On avait chopé cet item tout à l'heure, on n'a pas vraiment eu l'occasion de se rendre compte de ce qu'il faisait vraiment. Bon bah... Sacrifice, hein. Quand ça rebondit, ça repasse dans le prisme, ça reduplique, imagine. Imagine s'il n'y a pas de... Merde. Mais non, c'est pas une sacrifice. Mais si, il y en avait une là-haut. Je sais pas s'il y a un proc maximum pour le rubber cement, mais ça peut être rigolo. Hein. En subissant des dégâts, Isaac libère un anneau de 10 larmes et gagne des larmes avec pour la pièce actuelle. Le premier coup pris augmente les larmes d'Isaac tirées par seconde de 1.2 puis 0.4 pour chaque coup suivant dans la même pièce. Ça ignore le plafond de larmes et peut s'amplifier indéfiniment. Chaque déchireur de l'anneau inflige 10 dégâts et n'inflige pas les effets des déchireurs d'Isaac. Cet objet ne se déclenche pas si les dégâts ont été absorbés par le manteau sacré. Toujours plus, hein. 1. 2. Non. Trois. On vient de le voir. 4. Chest. Oignon. Et 4. Six, Rochest. Six. Sept. Oh, c'est pas vrai, mais c'est incroyable. Alors, si jamais il y a synergie, là, c'est bon, lâche l'affaire, quoi. Là, ça va être les troll bombes. Oui. Puis l'ange. Voilà. Puis pognon ou cœur.
Les cœurs. Oui, les cœurs, oui. Ok, nice. Regarde l'arme. Ouais, d'accord, ouais. La holitire, elle est autour de moi, quoi. C'est la holitire orbitale. Est-ce que ça va être pas mal, ça? Je sais pas du tout. On verra bien. Ça fait des mouches infinies. Des mouches infinies. Non, les mouches que j'ai sur moi, là, c'est les mouches que j'ai récupérées dans la salle d'avant. Vu que Keeper peut pas ramasser de pognon, le moindre cœur... Enfin, peut pas ramasser de cœur, pardon. Le moindre cœur que je croise se transforme en mouche. Et au stade où j'en étais dans la sacrifice au-dessus, c'était soit je faisais apparaître des pièces, soit une pétée de cœur pas possible. Et donc là, je suis tombé sur les cœurs qui se sont tous transformés instantanément en mouche. Bon, en vrai, je ramasse le fric et je me casse. Hein. Ou je piffe les secrets, hein. Je sais pas si elle peut être là du coup, parce que c'est pas considéré comme encombré là. Enfin peut-être, ouais. Là, ici à droite peut-être. Non, là c'est bouché. Ici en bas c'est jouable. Là c'est jouable. Hein, peut-être. Et en bas là, super. Ah voilà, autre exemple. Il y avait des cœurs dans cette pièce, ils se sont transformés en mouches. Ah oui, c'est ça. Non. Ah voilà, encore des cœurs qui se transforment en mouches. Bon, très bien. Ok, confirmé, on ramasse le fric, on se casse. Au shop, il n'y avait rien de toute façon. Pilule que j'ai pas envie de piffer. Niveau ressources, on a de quoi faire. Salut Sasuke, ça roule. The Beast qui mange une tartine de ses grands cadavres. Mais là, on va pas à The Beast, en fait. Là, on est parti voir Mother. Mais bon, je pense que si je déconne pas, elle va prendre le même traitement aussi, mais... On est parti voir la daronne. Déjà, là, elle va se manger des mouches à 70 de dégâts chacune, déjà. Je sais pas combien j'en ai en ceinture autour de moi, là, mais à mon avis, il y a moyen que ça picote un peu. Mais je vous avoue, je me sentirais plus safe si j'avais une connerie à base de... À base de... De Holy Mental, par exemple. Où est-ce que je vais, là? C'est les Rastaki là, ça roule. Quelqu'un a déjà eu le jeu qui crache en entrant dans Void, je viens de plier 3 fois Mega Satan en relançant mes crashs à chaque fois. Ah non, j'ai déjà fait quelques runs sur lesquels je suis tombé sur Void justement, mais mais non, ça m'est jamais arrivé. Jamais eu de soucis particuliers en tout cas pour l'instant. J'ai pas eu vraiment de problème de stabilité, de problème de bug ou de plantage divers. Non, tranquille pour l'instant. Ah, argent. Le OS va être sale. Hein, je sais pas si ça va OS carrément quoi. Bon là déjà Mom. Le Holy était quand même violent là. De toute façon, là on s'en tabasse. Oui, dans mes souvenirs, oui. C'est quoi déjà ce truc ? Protective Friend, d'accord, c'est un orbital, ok. Qu'est-ce qu'il fait cet orbital? Rien, il tourne autour de moi, c'est tout. D'accord. Ah, négatif t'aura donné des dégâts. Ouais, mais le Polaroid me donne un bouclier. Que je n'ai pas, qui m'arrangerait bien. On va attendre que le bordel. Allez, pu. Ça serait bien d'arrêter d'avoir les boules de paix là partout là. Zéro de lock. Hein. Rappelle quand même. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire encore une fois, mais zéro de luck. Bon. Putain. Oi. Ça déconne zéro. Bonjour. Et du coup j'ai cru... Mais déconne. Bonjour.
Ah, c'est la même. Original ce mob, je suis jamais tombé dessus encore. Ok, bon, on est déjà au boss. Regardez, il y a tellement d'émotions dans cette run que j'en perds mon casque. Combien de temps va durer Mother? Je sais pas. Dogma va pas faire mon feu, on va pas à Dogma. On va à Mother là. Dogma, on l'a déjà vaincu avec, avec ce perso là. Ah, oh, si on se tape l'ennemi Metroid dégueulasse là, ça. Eh merde. On remarque ça déjà, c'est fait. Autant y aller direct. D'accord, Pentagram, Godroom et Luck plus 10. C'est mérité. J'ai toujours ma Judgment avec moi. Bien. Oh. Il y a des conneries encore là ? Ah oui. Oula, 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 doucement, doucement, doucement. C'est très son et lumière. Qu'est-ce que... Merde. Le problème, c'est que je suis obligé de faire attention parce que le moindre hit et je perds mon trinket. Chose qui n'est absolument pas au programme. Cette salle à la con. Ce genre de salle à la con. Et des meuches. Et de la meuche. Ça manque d'un Magic Mush. Oh, imagine. Choper une connerie à base de... Oh. Ah oui. Pas une raison pour les oublier, eux. Hop là. Il y avait des cœurs. Imagine choper une connerie à base de Cricket Said ou... Ah oui, d'accord. Le truc théoriquement indestructible, il a pris tarif. Hein. C'est bien, tu tiens et tu te contentes de suivre le tir, quoi. Bonjour. Par exemple. Voilà, c'est une autre forme de démonstration. Prends même pas le temps d'utiliser mon objet, là, enfin... Ok, ok, hein, bon. Bonne nuit, monsieur Wolf, la bise, hein, et à une prochaine. Hein. Mais non, mais la super secrète, elle est à l'autre bout, en douille. Je pourrais pas avoir une meilleure carte que ça. Que Judgment. Judgment. Voilà, c'est pas que je... Hein, nique. Et quelques mouches, remarque, j'ai pas mal de mouches autour de moi. Salut Oliver, ça roule. Si jamais ça... ça part en cacahuète, il y a toutes les chances d'arriver. Voilà, voilà. Ok.
Très bien. 3 frames par phase. On est bien, on est bien. Et le tout avec Keeper. Hein. Ok. Du coup, j'ai beaucoup apprécié également le fait d'avoir stacké un maximum de flammes autour de moi. J'avais plein de pièces. Donc dès que les pièces, elles vanichent, eh ben, allez hop, ça me largue du pognon sur le sol. Très bien. N'importe quoi ce build, putain, mais... Le triple TKX, Sacred Heart, Holy Tears, petit bordel, voilà, Immaculate Heart, enfin bref... N'importe quoi, sans parler que derrière, on a eu tous les objets d'augmentation de dégâts, The Mark, Pentagram, la couronne d'épines. Débile, quoi. Débile, débile, débile. Hein. Allez, salut. Hein. Et merci Hamburger Fruit pour le follow. Bienvenue. Ouais, je vous laisse profiter de l'incroyable cinématique de fin. C'est énorme. Avec. Je suis quand même pas mécontent de m'être débarrassé de cette saloperie. Hein. Je déteste pourtant Keeper, mais faut bien admettre que tous ceux qui me disaient que Keeper Repentance avait été up... Hein, faut bien admettre que ne serait-ce que le simple fait qu'il ait un HP de plus, ça change des tonnes et des tonnes de trucs en fait. Hein. Une dernière run. Bah on a le temps, il est que minuit 20. On a le temps. Faut vraiment que je fasse une extracte de cette run depuis Twitch parce que du coup depuis tout à l'heure j'ai corde plus pour YouTube. Pas une vie facile ce pauvre gamin. Mais c'est vrai que ça le rend vraiment pas mal du tout Keeper comme ça. Bon, au moins, ça nous permet de comprendre qu'il y a de nouvelles synergies. Hein. Déjà, le Needle Shot qui proc sur le TKX, ça déjà, c'est propre. Je savais pas que ça marchait. Et ça fait des bien belles choses. Très son et lumière derrière, en plus avec le prisme qui va juste rajouter par-dessus, n'importe quoi. J'aurais peut-être dû vous laisser l'acide pour ceux qui voulaient délirer un peu dessus. Là. Remarque, vous l'avez peut-être vu, j'ai mis en pause à 2-3 reprises. Il y a des cutscenes dans le jeu. Ah, mais il y a des petites cinématiques, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y en a toujours eu. Les bonnes ambiances, hein, bien sûr. Keeper sac. On a des burnes de Keeper dans une poche. Hein. Très bien. Du coup, ça, on a, bah, du coup, ça fait un achievement de plus. Hein. Bon, un par un, on avance. Hein. On y va à notre rythme, hein, forcément.